chaussures sont toutes sales. Oh, ça, c'est juste de la cire de bois. Je vais vous nettoyer ça, son métier. Non, je dois encore planter ce clou. Ne discutez pas. Bon, d'accord. Vous, voilà qui est bien. Vous travaillerez bien mieux avec des chaussures propres. Ça va vite. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous marchez encore dans des saletés? Vos chaussures sont toutes souillées. Ben, je veux planter mon clou. Ne bougez plus que je nettoie vos chaussures. Voilà, c'est bien. Bon, Ah non, ne bougez plus, je vous dis. Voilà, c'est bien. C'est bien propre, c'est parfait. Et mon clou, je veux planter mon clou. Ne bougez plus, ne bougez surtout pas. Voyez-vous, je suis tellement passionnée par mon métier que je ne peux me défaire de ma caméra.
Je vois, je vois. Je la porte du matin au soir, et la nuit, elle reste à portée de main. Bref, nous ne faisons qu'un. Bien, mais qu'attendez-vous de moi? Je suis pas cinéaste, je suis chirurgien. Justement, c'est bien le chirurgien que je viens voir. Je souhaite que vous me greffiez la caméra sur l'œil droit. Ah, vous boudez de l'œil gauche? C'est-à-dire que je suis plus à l'aise pour les clins d'œil à gauche et plus à droite. Je louche un peu alors. Je comprends, je comprends. Alors docteur, pouvez-vous m'aider? Je ne suis pas, comment dire, un spécialiste de greffe sur la rétine humaine. Mais comme on dit, il faut bien un début à tout. Alors, je dis banco, allons-y. Fonçons dans cette nouvelle aventure chirurgicale. Je suis votre homme pour ce nouveau type de greffe. Et peut-être un jour, on fera un film. Merci, docteur. Vous réalisez le rêve de ma vie. Très bien. Je vous laisse prendre rendez-vous avec ma secrétaire pour l'opération. Très bien. Au revoir, docteur. Mais c'est pas une main que vous avez là. C'est un micro. Oui. J'ai déjà commencé la transformation avec un de vos collègues spécialisés de la main. Ah, très bien. Au revoir, monsieur Lelouch, et à bientôt. Au revoir, docteur. Lelouch, ça me dit quelque chose. C'est un Dior. Moi, je n'en ai pas, mais je me sens habillée avec tous ces bijoux. Qui ne le serait pas? Que mange-t-on ce soir? Ce soir, c'est homard, puis caviar. Encore. Eh oui, ma belle, il faut m'habituer au plat de riche maintenant que Marie-Charlotte a gagné l'euro-million. Oui, en plein dans le mille. J'ai fait une étude minutieuse de ces chiffres au hasard de la vie quotidienne qui, étrangement, montraient bien plus souvent le bout de leur nez que leurs copains. Et banco, ils sont sortis! Youpi! Bravo, madame Charlotte! Tu es la reine des mathématiques, tu es des probabilités. Voilà, voilà, notre petit dîner à la hauteur de nos finances. Où ça? Je parle de notre fric, de notre oseille, de notre flouze. Marie-Catherine, quel vocabulaire! Qui ne vous ressemble plus? Refloronnez votre langage châtié, s'il vous plaît. Excusez-moi, je m'égare. Alors, dégustons notre ripaille bourgeoise. Décidément, je ne suis pas bien fan de cette nourriture de riche. Ouais, moi non plus, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Idem, y en a marre du caviar, marre du homard. Oui, nous on veut des pizzas Bernard. La pizza Bernard, bonjour. Voici les petites pizzas, reine, margarita, 4 fromages et en prime pour les petits creux, une végétarienne. Youpi, notre vœu est exaucé. Ouais, c'est trop de la balle, j'enlève tout ça. En plus, c'est trop lourd. Vous avez remis, ramène un peu les pizzas. Ouais, et oublie pas les assiettes. C'est pas parce qu'on aime les pizzas qu'on n'est pas éduqué. Un peu d'huile piquante. Ouais. Comme c'est bon d'être faux. Ouais, t'as raison, Charlie. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur d'être pauvre. Hé, ceci est un puissant somnifère qui endormirait tout un troupeau d'éléphants. Ah, voici les petits bijoux. Youhou, moi aussi j'adore ces pierres qui brillent. Ah, quel bonheur d'être riche. Alors, fais un peu le ménage en bas et dépoussiérez les murs. Et si vous en êtes capable, dépoussiérez le plafond.